concours Casella, justement, tend à reconnaître l'excellence dans les produits. Puis c'est pour ça que nous, au Conseil, c'est un concours auquel on croit vraiment beaucoup. Et pour nous, Aliments du Québec, nous faisons la promotion des Aliments du Québec et nous en certifions aussi la provenance. C'est important pour nous de soutenir cette industrie-là qui est novatrice et qui fait des fromages incroyables. De notre côté, on tente de les identifier le mieux possible également, de leur donner une belle visibilité, de bien attirer l'attention de nos clients sur le fait que ce sont des produits d'ici. Définitivement, nos clients sont curieux de découvrir encore plus des fromages du terroir. Je pense que le consommateur québécois est de plus en plus raffiné. Il cherche des choses qui sortent des sentiers battus. Il est à la découverte. Effectivement, le consommateur est beaucoup plus évolué en termes de goût puis de saveur, beaucoup plus curieux. Alors, on essaie d'avoir, disons, des produits des fromageries qui sont tout proches de certains magasins. C'est de part et d'autre là, un effort partagé, je pense que de notre côté, là, de bien les identifier, qu'ils soient facilement repérables, bien les valoriser, et puis évidemment les clients les recherchent. Je vous dirais que le territoire québécois n'aura jamais eu aussi bon goût avec les fromages. Donc il y a vraiment un éveil pour la gastronomie, là, puis c'est une belle niche pour nous, c'est à nous d'en profiter. Oui, on veut en envoyer le plus loin possible et puis au plus gros volume possible. On s'améliore d'année en année, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça à offrir à nos consommateurs des produits qui sont toujours mieux adaptés, de meilleure qualité. Bien, c'est sûr que ça nous donne l'envie de nouveaux défis parce qu'on veut toujours présenter des nouveautés, mais aussi ça nous donne surtout le goût d'améliorer nos produits. On a des beaux projets à la fromagerie soutenus par nos partenaires et par des concours comme celui de Casseus. Un souci majeur pour nous, puisqu'il faut agrandir le presbytère. Alors, vous savez que c'est le seul presbytère au Canada actuellement qui s'agrandit. Donc, on a un souci majeur. Comment agrandir un presbytère? Alors, c'est ce qu'il faut faire actuellement. On manque de place pour faire vieillir nos fromages. On développe, on grandit énormément. Aujourd'hui, on traverse même les frontières du Québec. Donc, avoir un appui comme ça avec Casseus, ça nous aide un peu à ça aussi, d'avoir la crédibilité pour ouvrir et agrandir notre marché et rendre notre fromage encore plus disponible. L'objectif, c'est de faire revivre un patrimoine et faire déguster aux gens une page d'histoire.